Le Venezuela est confronté à une grave crise économique. Plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays en récession où l'inflation pourrait dépasser 700% en 2017. La pénurie frappe 80% des produits de première nécessité. Violence et corruption sont aussi monnaie courante. Avec les plus importantes réserves de brut de la planète, le Venezuela dépend de sa manne pétrolière. L'exportation de brut représente 96% de ses devises. La chute des cours du pétrole mi-2014 a plongé le pays dans une grave crise économique et politique. Pour les agences de notation, le Venezuela est au bord de la faillite, mais le pays honore sa dette tout en maintenant les subventions intérieures et des facilités de paiement pour le pétrole à ses alliés stratégiques. Cuba reçoit 87 000 barils de brut par jour à des tarifs préférentiels en échange de services de personnel de santé. La Chine a importé 316 000 barils par jour en 2015, en contrepartie de gros investissements et de prêts à long terme. Malgré leurs relations tendues, les États-Unis restent le principal client du pays. Ils ont importé près de 731 000 barils de brut par jour.